Prière journalière avec Bishop Eli. La musique, la louange, l'adoration sur onction.com. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne ratez pas un jour, tous les jours, à 8h30 heure des Antilles et à 9h à 13h30 heure de Paris. Le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Dites, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. L'ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai. Heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Voilà, il y en a un qui va de m'écrire. Oui, monsieur Eli, je me présente. Prière à quoi, à journalière fois, j'ai fait votre numéro avec Bishop Eli. On raccroche sur la moi. Musique, alors la louange, l'adoration, j'ai téléphone.com. Ah, mais si vous tous les en jours, privé, j'ai tellement des écoutez appels, parfois, les enseignements parfois, et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com. Bonjour pasteur, bonne et heureuse année. Édifiez-vous à vous et fortifiez-vous vous sont chers dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai ne ratez un très pas sérieux un problème jour, au sein de ma famille. Tous les jours. De ce fait, si rien à 8h30, je souhaitais m'entretenir avec vous lors de mon passage à Fred. Et à je réside en métropole. 9h à 13h30, heure de Paris. Alors, le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Personne qui m'écrit. Pasteur Eli, et je vous suis serez en train de vous suivre sur TV par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses que vous dites qui sont vraies. Ces paroles de sagesse sont appliquez-vous en vous, comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. En votre foi, donnez le temps à Dieu, sœur de foi, pour Amen. Vous enseigner. Ma sœur, merci pour ton encouragement. Seigneur, parle ton serviteur. Alors nous avons encore une autre le temps qui m'écrit depuis la de Martinique. Bonjour pasteur Bishop Eli, j'habite la Martinique. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. En zappant, peu importe les difficultés que tu traverses. Sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Produisez le fruit digne de la repentance.
vous passe un bon job, lui je vous souhaite une excellente année. Lorsqu'enfin santé, je long, le verrai, bonheur, famille. Alors il y a quelque chose que je redirai. On n'est pas encore si énorme de Jésus. Vous êtes convaincant. Bonne journée, Aïcha. Oh, oh Aïcha. Béni soit son nom. Aïcha, sois béni. Je ne sais pas si à 8h30, Aïcha est de quel pays. Des Antilles. Aïcha. Ou à 13h30, Aïcha. Voilà, donc voilà un peu sur quelques interactions. Nous allons prier ensemble. Et je... Ok, voilà, on s'arrête là. Donc, vous voyez que les émissions, nos émissions sont vraiment en train de toucher. Je ne vous dis pas le nombre de gens qui m'écrivent sur TikTok. Le nombre de gens qui sont touchés sur TikTok. Le nombre de gens qui sont touchés sur Facebook. Et je tiens à vous dire, nous ne sommes pas des amateurs. Nous sommes, dans la grâce de Dieu, je suis pas que un animateur aventurier de TikTok ou de Facebook. Parce que sur Facebook et TikTok, c'est n'importe quoi parfois. Je tiens à vous dire que je suis un animateur télé. Vous voyez, j'ai plus de 28 ans de télévision. 28 ans. De la grâce de Dieu, je suis le premier pasteur à passer à la télévision antillaise. C'est, il y a plus de 28 ans, ma première émission, c'était avec Morabel, Télévision Éclair. J'étais allé avec mes choristes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des montages. Je vous montrerai les images. Vous voyez? Et puis après, j'ai fait plus de 20 ans des émissions sur Canal 10. Après, j'ai fait plus de 5 ans de télévision avec Zouk TV à Martinique. Et avec Xavier Foster qui est auprès du Seigneur. Je l'espère. Paix à son âme. Et après, je fais KMT. Et maintenant, je fais Télé Antilles. Et avec Télé Antilles, nous passons en Guyane, nous passons en Guadeloupe, en Martinique, nous passons à l'île de la Réunion, nous passons aux Comores et nous passons même à Nouvelle-Calédonie. Et nous passons sur toute la France métropolitaine avec le bouquet Orange, la chaîne 398. Avec Free, nous passons sur toute la métropole, la chaîne 932, avec, comment s'appelle-t-il ? Avec Bouygues, sur la chaîne 407. Donc, j'aimerais que vous preniez conscience de l'énormité de ce travail que nous faisons. Par TikTok, par Bouygues, par TikTok, par Instagram, par Facebook, nous passons jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai des appels. En Afrique, au Togo, dans les pays arabes, partout. Alors on a besoin de votre soutien. Et chaque jour, j'ai ce désir de préparer, vous savez, tous les soirs il faut préparer une émission. Croyez-moi, il y en a très peu qui peuvent tenir cette cadence, mais j'aimerais vraiment m'améliorer. Ça c'est mon désir, m'améliorer. Et être plus percutant encore. Et prier pour moi, pour que Dieu m'inspire d'abord. Vous savez, tous les jours prêcher, il faut avoir une inspiration. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent tous les jours. Même moi-même, des fois, je suis étonné comment j'arrive. Et je ne m'épuise pas. Ça, tous les jours, on est là, on prie. Vous voyez, tous les jours, il y a un message. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Vous voyez le message qu'on a partagé, qu'on vient de partager. Je vous dis, je ne l'ai pas préparé. L'Esprit me conduit. Je fais confiance au Saint-Esprit. Jésus-Christ s'est dit aux disciples, on vous amènera devant les tribunaux à cause de moi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et parfois, les jeunes prédicateurs, les jeunes pasteurs sont inquiets. Ce dimanche, je prêcherai quoi ce dimanche? Je n'ai pas de message. Si vous n'avez pas un message, parfois Dieu vous donne un message une semaine.
d'avance. L'esprit est souverain. Et parfois, il vous le donne le même jour. Et parfois, il vous laisse préparer un message. Quand vous montez à la chair, il vous donne un autre message. Moi, j'ai appris à laisser l'esprit me conduire. Prière. Voyez, quand vous voulez laisser journalière l'esprit me conduire, avec du Jean-Béli, la musique, le Saint-Esprit, la louange, va vous bousculer. L'adoration sur option.com. Vous ne pouvez pas tous les jours l'église, écouter à votre les enseignements avec vos et la prière avec votre mentalité, sur la chaîne YouTube Bishop Eli. Voulez que le Saint-Esprit marche ou galop, sur option.com. Que le Saint-Esprit vous suive. Mais non, c'est vous, c'est à vous de suivre le Saint-Esprit. Édifiez-vous et fortifiez-vous. Regardez un peu ce que dans le Seigneur Seigneurs a fait avec Pierre. Ne ratez Corneille pas un jour. Et chez lui, tous les jours. Païen. À l'époque, à 8h30, heure que des Antilles. Et à Corneille, qui est païen, 9h, à 13h30, heure il de Paris. Un ange qui le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Chez Pierre, qui habite et vous serez béni adresse, par la puissance du Saint-Esprit. Allez le chercher et amenez chez toi, il va prier pour appliquez-vous comme Ephèse à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps il à voit Dieu une vision pour vous enseigner. Un filet qui descend du ciel. Dites, Seigneur, à l'intérieur, parle, il y avait des reptiles, il y avait donnez tous le les animaux impurs de vous parler. Que la loi de Moïse interdisait. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'en répandir. Produisez le fruit digne de la répentance. Yeah. Tu sens le froid du pôle nord. Je t'aimerai toujours. C'est ce qu'on appelle extase. C'est promis. Je prendrai soin de toi. Pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai. À l'esprit des Antilles. Or, à 13h30, c'était pas Pierre. La métropole. C'était pas la doctrine de Pierre. Nous allons et vous savez, moi ensemble qui vous parle, j'étais contre le ministère des femmes. J'étais contre le ministère des femmes. Et je peux vous dire, j'avais des versets. Et j'avais des versets. Je me rappelle, j'avais un ami, l'apôtre Bienvenu Tonga. On a fait un débat avec lui. Mais je peux vous dire, quand moi je défends quelque chose, je défendais, j'étais contre le ministère des femmes jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans ma cuisine à l'assainissement, je dormais par terre en train de prier, quand j'ai vu une lumière envahir la cuisine tellement forte, et le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter de combattre le ministère des femmes. Que l'esprit qui est dans la femme est aussi en moi. Que le Saint-Esprit n'est pas sexiste. Voyez. Et c'est comme ça que j'ai abandonné cette doctrine. Mais aucun pasteur, aucun docteur m'a convaincu par la Bible. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu et j'ai cédé au Saint-Esprit. Et quand j'ai obéi au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner dans la parole de Dieu, à me montrer de versets et à m'expliquer. Et c'est là que mes yeux se sont ouverts. Donc soyons sensibles à l'Esprit. Soyons sensibles à l'Esprit. Ne soyez pas bornés. Lorsque nous sommes trop bornés, et nous avons notre logique. C'est comme les Hébreux, les Juifs, avaient leur logique. Pour eux, le Messie, et Jésus se dit le Messie, dans sa lignée, on trouve Ruth,
on trouve Naomi dans sa lignée. On trouve une femme, Moabite, Ruth. On trouve Rahab, la prostituée, comme ancêtre de Jésus. Croyez-moi, les docteurs hébreux avaient du mal à croire que c'était un Messie. Ils ont dit, mais non, un Messie. Parce que les Juifs savent bien que le Messie serait Dieu lui-même. Dieu qui viendra, oui. Dans Hébreux 9, on dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, avec D majuscule. Père éternel. Et pourtant, c'est un fils. Mais en lui, c'était le Père. Il est éternellement Père. Le fils, étant que fils, il y a un commencement. Mais étant que Père éternel, il n'a pas de commencement ni de fin. Vous comprenez? Donc, pour les Juifs, c'était difficile à accepter. C'est pour vous dire, un vrai enfant de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est un homme qui marche dans la simplicité. Dans la simplicité. Moi, je ne crois pas à vos pasteurs là qui ont des gardes-corps, qui marchent comme des stars, hein, qui roulent en Rolls. En Rolls, vous voyez, ils roulent en Rolls. Moi, un jour, j'ai invité un pasteur, j'ai dit, viens me voir. J'étais à Paris, un ami. Il m'a dit, ah, Bishop Eli, ma voiture est en panne. Je dis, mais prends le métro. Ah, je ne prends jamais le métro, c'est ridicule. Moi, un homme de Dieu, rouler en métro. Je dis, c'est ridicule. Moi, je sais vivre dans toutes les conditions. Moi, je prends le métro, j'aime le métro. J'ai commencé mon ministère dans les métros. Prière. J'ai gagné les âmes journalières. Je suis l'un des premiers à avoir évangélisé dans les métros parisiens. La louange. Je suis l'un des premiers, pas le premier. L'adoration sur onction.com. Il y a plus de 35 ans. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière. Moi avec Senghor, sur la chaîne YouTube Bishop Eli. Un Congolais de Brazzaville, Senghor. Ou sur onction.com. Prêchez dans les métros à Paris. Oui, je n'ai pas. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 53. Ne ratez pas un jour. Il n'avait aucune. Tous les jours. Il n'avait pas une apparence. À 8h30, heure. Attirez nos regards. Des Antilles. Et à 9h, à 13h30, heure de Paris, le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Quand ils interdisent qu'on fasse une représentation de leur appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu. Pour bien vous enseigner. C'est pas important, voyez. Dites, Jésus Seigneur avait parle la peau basanée. Serviteur, écoute, voyez. Donnez le temps si au Saint-Esprit. Il a pu s'intégrer en Égypte. Il a grandi en Égypte. Mami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Vos autres répandis, produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Je prendrai soin de toi. Et voilà pourquoi pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'en femme je le verrai, alors sans femme je redirai, je suis un homme de Dieu.
12h30, heure voyez, des Antilles. N'écoutez pas ce genre-là qui vous parle. À 13h30, heure. Moi, je suis. De la métropole. Les sites. Nous allons prier ensemble. Ouais. Je vous parle. Je suis africain de naissance. Je suis né en Afrique. Et je ne rajoute pas rien. Vous m'appelez Lissiki, ça veut dire fille de la reine. Le mot Lissiki veut dire fille de la reine. Ma grand-mère était la fille de la reine chez les Bambala. Vous voyez? Et je crois que tout Congolais, tout Africain, il sait qu'est-ce que c'est que être de descendance royale avec tous nos coutumes et toute la magie noire qui existe là-dedans. Mon grand-père ou mon oncle, je peux dire mon grand-père Coco, c'est Kibonge. Si les Congolais sont là, ils connaissent Kibonge. Kibonge, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Afrique, du Congo, les Léopards. C'était le capitaine des Léopards au Mondial. Première équipe noire qualifiée au Mondial, Kibonge. Vous voyez, je sais, quand je vous parle de culte, ça, ma mère maintenant, elle, son grand-père, son père était chef coutumier, Kalonji. Nous sommes de la tribu des Boaka Kalonji, Kasaï oriental, ma mère. Alors, donc, je sais. Donc, mon grand-père était chef coutumier des Kalonji. Vous voyez? Donc, quand vous voulez, vous, les petits afros là qui sont ici en Europe, qui des ancêtres, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes tellement ignorants. Et vous entraînez les gens malheureusement, beaucoup des Antillais, des Noirs américains, à la recherche de leurs origines, de leur identité, se font séduire par tous ces gens diaboliques. Parce que tout Africain qui m'écoute, il sait de quoi je parle. Le culte des ancêtres en Afrique, c'est le cannibalisme spirituel et physique. Le cannibalisme physique, ça existait, mais pas en grande partie. Hein. Ça existait dans certaines tribus. Mais le cannibalisme spirituel, les Congolais savent. Balieye na bandoki. Il y a un terme qu'on dit quand quelqu'un meurt. En Afrique, on dit balieye na bandoki. C'est-à-dire qu'on l'a mangé par les sorciers. On l'a mangé spirituellement. C'est-à-dire que la personne mystiquement est transformé en cabri. Par exemple, je vais tuer ma sœur. Dans la sorcellerie la nuit, mon esprit sort de mon corps. On se réunit en famille, on prend l'âme de ma sœur la nuit, on les transforme mystiquement en cabri. On les gorge et on les mange. Si ce que je dis c'est faux, je vous lance un défi. Venez. Si ce que j'ai dit, c'est faux, je vous lance un défi. Et je ne vous parle pas tant que n'importe qui. Hein. Je sais de quoi je vous parle. C'est moi qui devais hériter la calebasse royale magique de ma tribu. Mon père l'avait hérité et on devait me le donner à moi. Et ça n'a pas marché parce que j'ai Jésus. La sorcellerie africaine, la sorcellerie islamique, la sorcellerie, ça, une magie noire, magie blanche, les marabouts. Quand je dis la sorcellerie islamique, c'est les marabouts qui invoquent les démons qu'on appelle du djinn pour avoir des faveurs. Hein? Dans l'islam, il y a des djinns, on parle des djinns, des démons, des esprits mauvais, prière au service des croyants. Journalière. Donc les djinns, tu peux l'envoyer pour faire du mal à quelqu'un pour te venger. La musique, mais dans la, la louange, les démons, les l'adoration sur option.com. Je ne dis pas que l'islam c'est de la sorcellerie. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur option.com. Ne peuvent pas résister devant le Dieu. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Je suis prêt à l'affronter. Ne ratez pas un jour. L'émission passe à la télé. Tous les jours. Il y a un marabout. À 8h30, défi.
des Antilles. Bien, je vous défie. Et à pour que vous soyez ici, il y a un marabout. 9h à 13h30, vraiment puissant. Heure de Paris. La puissance je peux lui partage avec vous la parole de Dieu. Et que lui est plus fort. Je suis prêt à fond. Et vous serez béni. Mon numéro est là. Par la puissance appelle. Du Saint-Esprit. On va faire indirect avec Jean-François Saint-Denis. Indirect, parce que appliquez je ne vais pas différer. Comme Esdras. Tu vas invoquer tes à démons. Pratiquer la parole de Dieu. Donner le mais temps à Dieu. Tu vas pour rentrer, tu vas ramper par terre. Dites, tu vas être Seigneur, parle par à ton serviteur. Parce écoute, que je suis sûr de ce que j'ai dit. Donner le celui temps qui est à moi Esprit est plus fort que celui parler. Qui est dans ce monde. Ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses. Sache que avant que le problème ne soit ma solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Et aime ta femme. Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Le cannibalisme. Faut s'être répandu. On disait le fruit digne de la repentance. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi. Pour la vie, lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'en femme je le verrai, alors sans femme je redirai, si le nom de Jésus, Jésus, on abandonne le Satan qui est dedans. Et on se tourne vers Jésus. À 8h30, pas Jésus le blanc, Antilles, pas Jésus le noir. À 13h30, Jésus l'esprit. Parce qu'on sait que Jésus était esprit. La métropole. Il a dit à Abraham, avant que Abraham soit moi, je suis. Que Dieu ait pitié de vous, que Dieu vous délivre de votre égarement rekataba. Est-ce que je regrette? Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui répondent à ces gens. Hein? Et certains qui veulent nous faire croire que les Juifs étaient des Noirs. Que les Juifs, c'est les Bantous. Ça me fait tellement rire. Mais écoutez, moi je me dis, mais vous pensez que c'est la religion qui va développer l'Afrique? Les Chinois se sont développés. Ils n'avaient pas besoin de la religion. C'est la loi du travail. Dieu a créé une loi qu'on appelle la loi du travail. Voyez, Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, prie pour que tu manges. Voyez, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas transpirer et qui prient tout le temps pour que Dieu le nourrisse. Écoutez, voilà pourquoi Karl Marx a dit « La religion, c'est l'opium du peuple. » Pourquoi? Parce que certains prêtres et certains pasteurs nous présentent mal l'évangile. Et Dieu n'a pas créé un homme fainéant. Dieu aime les travailleurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et Dieu a placé l'homme dans un jardin pour qu'il le cultive. Mon frère africain, mon ami, Dieu t'a mis en Afrique, cultive l'Afrique, cultive la terre africaine. Nous devons travailler, arrêter de fuir pour vous noyer dans la mer Méditerranée. On doit travailler. Les Chinois ont travaillé chez eux. Les Chinois ont pris leur destin en main. Voyez, pourtant ils ne sont pas des chrétiens, mais ils ont appliqué une loi parce que Dieu a établi des lois universelles. Des lois universelles qui ne font acception de personne. Dieu, la loi de la pluie, l'arrosage. Dieu fait pleuvoir sur le méchant et sur le mauvais. Un sorcier plante son champ. Hitler plante son champ. Quand il pleut, la pluie ne choisit pas les gens. La pluie arrose toute plante. Peu importe qui l'a planté, c'est une loi universelle. Il y a aussi la loi universelle du travail.
La religion n'a pas été créée pour que nous puissions nous développer. La religion, c'est pour sauver ton âme, pour te rapprocher de Dieu. Mais ce Dieu-là lui-même, quand tu vas te rapprocher de lui, il va te dire, mon petit, travaille. Il faut travailler. Nous devons travailler. Les Chinois ont travaillé. Mais qu'est-ce que tous ces sémites-là, les kémites-là nous disent? Ah, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on retourne au culte de nos ancêtres. Il faut qu'on retourne à notre identité. Mais j'ai vu des gens stupides sur la terre, mais parfois nous sommes tellement stupides. Est-ce que vous avez déjà vu une religion développer un pays? Hein? Les Américains sont développés, c'est la religion. Ils sont chrétiens en grande partie, mais ce n'est pas la religion qui a développé les États-Unis, c'est le travail. Les Coréens, ils ont travaillé, ils sont à 60% chrétiens, mais ce n'est pas la prière. Ils ont travaillé. Il faut arrêter de vous cacher derrière la religion. Dieu veut que tu travailles. Alors maintenant, il y a certains leaders africains qui montrent que la voie de développement de l'Afrique passe par le retour au culte de nos ancêtres. La louange, l'adoration sur onction.com. La voie du développement de l'Afrique, tous les jours, commence écoutez par la lutte les enseignements contre la corruption et la prière. Qu'on arrête de sur voler la chaîne YouTube Bishop Eli. Tous vos dirigeants là, vos ministres sur là, onction.com. Volent le peuple. Ils pillent l'argent du pays. Ça commence là, c'est pas la religion. Qu'ils arrêtent de voler leur peuple. Dans le Seigneur. Et deuxièmement, ne ratez pas la formation. Nous devons former des ingénieurs. Les Chinois ont plus de brevets que les Américains aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois ont dépassé les Américains en brevets d'invention. À 13h30, au lieu que nous, on invente les choses, le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Qu'on invente les choses, on passe le temps à danser. Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez des mamans, des papas, je ne vais appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. À bouger, hein, dites, les mamans. Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. Vous voulez qu'on respecte les femmes, de vous parler. Mais vous n'avez rien à nous montrer. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache qu'avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Vos autres répandis, produisez les fruits dignes de la repentance. Il a fait la paix. Yeah. Il était dans son erreur, Rastafari. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi. On le coupe. Il a fait la vie. Il n'avait pas besoin de montrer son temps pour faire du scandale. Que vous appuyez toujours là. Ils doivent montrer leur peau derrière, montrer leur sein, mal habillé. Et de fois, je suis même de constater que certaines influenceuses africaines. Vous êtes des Africaines, des filles. Mais pourquoi vous voulez copier les Européens? Vous montrez vos seins. Tu es une, soi-disant coach. Tu es une coach. Tu es une coach. À 13h30. Soi-disant coach. Et tu fais des vidéos. Il faut que tu montres tes seins. Il faut que tu. C'est quoi ça? Pourquoi nous avons toujours tendance à copier les Européens? Le jour où les Européens vont manger des excréments, l'Afrique va manger les excréments aussi. Il n'y a que les talibans qui refusent. Il n'y a que les talibans qui résistent. Et Poutine aussi. Poutine dit, écoutez, vous les Européens, vous êtes des décadents. La civilisation occidentale est en décadence. Il n'y a que Poutine qui dit, non, moi je ne cède pas. Il faut qu'on évolue, mes amis. Il ne faut pas copier. Je dis bien, en Europe, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. En Afrique, il y a du positif, il y a du négatif. Mais nous n'avons pas qu'à copier toutes les vices des gens, adopter toutes les malpropriétés des autres.
Donc, pour que l'Afrique change, d'abord, vous, nos sœurs, respectez-vous. Respectez-vous. Nous avons des valeurs. Moi, j'aime ces femmes qui sont en pagne. La femme africaine met des pagnes. C'est notre couture, notre culture. On met des pagnes. Mais vous, maintenant, vous commencez à mettre des caleçons, montrer vos jambes dehors. Restons nous-mêmes. Et je dis bien, je suis pasteur, mais je vous dis que vous pouvez prier nuit et jour, mais si vous restez fainéant, l'Afrique ne se développera pas. Je suis allé au Congo, mon pays d'origine. La chose qui m'a choqué, écoutez-moi un peu bien, je suis allé au Congo dans mon pays d'origine. Le soir, à Matongé, je vois des jeunes partout assis en train de prendre la bière. Je vous dis, la seule chose, que le seul produit fini que le Congo sait faire, mettez-vous à ma place. Le seul produit fini que le Congolais sait faire, aussi bien que les Européens, c'est-à-dire même mieux que les Européens, c'est la bière. Les Congolais ont quatre, ils ont Primus, ils ont Skol, ils ont Brahma, une bière qu'ils ont inventée. Ils ont quatre bières différentes. C'est le seul produit fini qu'on sait faire. On ne sait pas faire des Nivakin, on ne sait pas faire des aspirines, on ne sait rien faire. Même nos pierres, on ne sait même pas les laver. Vous voyez, quand vous prenez des coltons, des colbats, même bien les nettoyer pour l'exporter, on ne sait même pas les nettoyer. C'est-à-dire qu'on prend les coltons, les cuivres bruts, sales, on les met dans les camions, on les vend. 10 fois moins cher. Alors là, vous pensez que c'est le culte, le retour au culte des ancêtres qui va développer ces pays? Non. Il faut que moi je devienne président au Congo, toutes vos usines là de bière, je vais les casser au nom de Jésus. C'est de la distraction. Bossi le cannabino, toutes là de bière là, Bralima, Skol, tout, je vais les transformer en usines de Nivakin. Ces usines là qui vous font la bière Skol là, je vais les attraper, on change. La même usine ne fera plus la bière. Ça fera des Nivakines, des aspirines. Ça fera des... Ouais, pour soigner les gens. Peut-être que je laisserai une petite usine de bière. Une peut-être... Prière. Pour que vous ne puissiez pas... Journalière. Avec Jean Béni. Jésus. La musique, la louange, l'adoration sur fonction.com. Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Eli ou sur onction.com. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, je disais bien, c'est les Kémites. Vous ne ratez pas un jour. Qui est en train de dire tous les jours à 8h30 heure des Antilles. Et à 9h, à 13h30, heure de Paris, le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Je ne vais pas rentrer en détail. Et vous serez béni. Quelqu'un de ma famille par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un, je ne dirais pas tout par respect pour ma famille. Quelqu'un était en guerre avec ma mère. Appliquez-vous comme Ezra. Elle a dit à ma mère, à pratiquer la parole de Dieu. Donner le temps à Dieu. Il faut que tu m'offres un cabri pour vous façonner. Ma mère est allée prier. Dites, Seigneur, tu as révélé que le cabri, ne donne pas le cabri. Le cabri que tu donnais, c'est ton fils que tu offres à cette personne-là. L'ami, c'est ça le cabri. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fuit. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Connaissez le fruit digne de la repentance. Les valeurs africaines de la prière, madame, dans la prière encore. Yeah. Les valeurs, il y a plein de valeurs. Je t'aimerai toujours. Identitaire de vos enfants. C'est promis. Que vous pouvez répandre. Je prendrai soin de toi. N'allez pas. Pour la vie. Les choses primitives et barbares que nous abandonnons. Lorsqu'enfin je le verrai. Mais encore en arrière. Alors sans crainte je redirai. C'est comme les saints. Le nom de Jésus. Les enfants. Jésus. Les indiens. Offrez des gens en sacrifice à leur Dieu. Ou à 13h30 de la Mais nous voyons aussi, vous avez un exemple que je vous donne en Afrique. Vous voyez, il faut savoir c'est quoi le culte des ancêtres de vous parler. En Afrique, quand un roi mourait, écoutez-moi bien. En Afrique, lorsque un roi mourait, le roi avait 50 de femmes, si pas 80 femmes. Plus tu as des femmes, plus tu es riche. Alors, le roi pouvait avoir 70 ans. Écoutez, hein, le roi pouvait avoir 70 ans, 80 ans, mais il avait des femmes de 15 ans. Vous imaginez un homme de 80 ans qui se marie avec une fille de 15 ans. Donc, il avait tout un... des 80, 50 de femmes qui commencent de 15 ans jusqu'à à 50 ans. Un monsieur de 80 ans. C'est ça nos coutumes. Hein? Le culte ancestral. Écoutez bien. Et quand le roi mourait, la coutume africaine, le culte de tes ancêtres, imposait que le roi soit enterré vivant avec toutes ses femmes. Est-ce que tu savais ça? Je répète. Quand le roi mourait, la tradition de nos ancêtres, dans certains royaux, on ligotait toutes les femmes du roi. 15 ans à 50 ans, on les ligotait tous vivants. On le mettait dans les caniveaux, vivants. On prenait le cercueil du roi, on posait dessus eux, on les enterrait vivants. Alors vous voulez qu'on retourne à ces pratiques-là? Vous voulez qu'on retourne à ces pratiques primitives et barbares et cruelles. Ce sont mes ancêtres. J'en suis pas fier. Et moi, je ne retournerai pas, bonhomme. Tu veux faire le retour au cul des ancêtres? Toi, vas-y. Moi, à ces pratiques-là, je ne retournerai pas. Je n'ai pas honte. Je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Lui, c'est l'amour. Lui, c'est la paix. Lui, c'est le pardon. C'est l'homme parfait. De tous les prophètes, Jésus est le seul qui n'a jamais commis de péché. De tous les prophètes, que tu lises le Coran, que tu lises la Bible, que tu lises la Torah, Jésus, dans tous les livres, ces livres-là, il est le seul être humain déclaré parfait, dans lequel il n'a jamais eu de péché. Le seul être humain qui n'est pas né d'un rapport entre homme et femme. Tous les prophètes sont nés du rapport entre homme et femme. Mais Jésus n'est pas né d'un rapport. Comme disent le Coran, un esprit, nous allons mettre en mari le verbe de Dieu. Un esprit émanant de nous. Un esprit accompli. Ça veut dire parfait, un esprit parfait. Est-ce que vous comprenez Jésus? Il est la perfection. Dieu manifesté en chair, Emmanuel. Voilà, je crois en lui. Et avec, je crois à sa puissance. Parce qu'avec sa puissance, j'ai vaincu le culte de mes ancêtres. Avec sa puissance, j'ai brisé la sorcellerie. Avec sa puissance, la calebasse ancestrale de mes parents a pris la fuite.
La tribu des Bambala, oh, ils ont eu peur de me donner leur calebasse. Ils ont eu peur, ils ont dit non, celui-là, ça ne marchera pas. Quand je vous parle de Jésus, je sais de qui je parle. Prière. Et je vous lance encore un défi. Vous qui croyez à la magie noire, qui croyez au vaudou, qui croyez au culte des ancêtres, la musique, qui croyez à la magie la blanche, louange, vous les marabouts, je vous lance un défi. Sur onction.com. Venez tous en grand nombre. Si vous voulez une confrontation spirituelle, les enseignements en direct et la prière. Vous allez voir sur la puissance chaîne de Dieu. YouTube Bishop celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Édifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Je suis heureux car ne ratez pas un jour. M'a sauvé. Tous les jours dans son à 8h30 heure des Antilles et à 9h à 13h30 heure de Paris. Le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Dites, Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. L'ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Qui aime ta femme, dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Vos autres répandir, produisez le fruit digne de la repentance. Ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Yesu kabomoi nakolanda kolo Yesu yende nzambe nanga kufela kinga ilelele amemaki masumu nanga ya bikisinga lele Seigneur Jésus ah, ah l'amour de ma vie ah, ah Seigneur Jésus ah, ah. Mon Seigneur, mon Dieu, Nakulanda, Kolo Yesu, Nakulanda, Kolo Yesu. Moi je suivrai le Seigneur Jésus, moi je suivrai le Seigneur Jésus, Nakulanda, Kolo Yesu, Nakulanda, Kolo Yesu. Hey! Nakulanda, Kolo Yesu, Nakulanda, Tu, Ta, Nakulanda, Kolo Yesu, Nakulanda, Abba, Nakulanda. Kolo Yesu nakulanda, ataba fingi nakulanda. Kolo Yesu nakulanda, à moi je suivrai. Seigneur Jésus, je suivrai toujours. Seigneur Jésus, kolanda kolo Yesu tisuka bomoi. Moi je suivrai le Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Je n'abandonnerai pas Jésus. Mon Dieu, il avait pris mes péchés, guéri toutes les maladies. Ah, Seigneur Jésus, tototot, l'amour de ma vie, tout. Seigneur Jésus, tototot, bolingo na tout. Kulanda, kolo Yesu, kulanda, kolo Yesu, na kulanda. Ah, tout, na kulanda, kolo, tabatata, kulanda. Alléluia. C'est une adaptation des chants qu'on chantait à la gloire de Mobutu. C'est une adaptation des chants qu'on chantait à la gloire de Mobutu.
Et nous, moi, je l'ai pris, je l'ai fait maintenant pour la gloire de Jésus, le vrai Dieu. Mobutu est mort, il est resté dans le cercueil, il a détruit le pays, il a ruiné le pays. Mais Jésus, il était mort, il est ressuscité. Alors là, il est allé préparer une place pour moi et toi, afin que là où il est, que nous puissions y être. Oh mon ami, tu veux être heureux, accepte Jésus. Oh mon ami, tu veux vivre autre chose, accepte Jésus. Oh mon ami, tu veux connaître le bonheur, accepte Jésus. Oh mon ami, tu veux prendre, repartir à zéro, accepte Jésus. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, mon ami, la vie éternelle est une réalité. Il a incité là-haut, il a incité, incité céleste, mon ami. La vie éternelle existe. Croyez-moi. Tu veux être heureux ici-bas et connaître la vie éternelle, accepte Jésus. Mais dites-moi un peu, entre nous, qu'est-ce que Dieu nous demande qui est si compliqué? Bougamoy, nous allons parler. Qu'est-ce que Dieu te demande qui est si compliqué? Il te dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Est-ce que c'est compliqué ça? Quand vous allez dans l'islam, il faut aller une fois à la Mecque. Il faut prier obligatoirement 4 fois par jour. Il faut chaque année faire les ramadans. Il y a des contraintes. Quand vous allez dans le bouddhisme, il y a des contraintes partout. Mais quand vous venez à Jésus, il n'y a aucune contrainte. Il te dit simplement, aime ton prochain comme toi-même. Prière. Est-ce que c'est compliqué? Entre journalière, nous, si tout le monde s'aimait avec Bishop, si les Arabes s'aimaient avec les Juifs, il n'y aurait pas eu la guerre, la louange à Gaza, l'adoration sur si les Ukrainiens et les Russes s'aimaient, il n'y aurait pas eu la guerre en Russie, tous les jours, en écoutez Ukraine, les enseignements, si tout le monde et la s'aimait, prière, comme sur le la dit chaîne Jésus, YouTube Bishop, mais la terre serait un paradis. Ou sur la terre serait un paradis. Mais vous avez transformé la terre à un enfer. Édifiez-vous et fortifiez-vous à ciel ouvert dans le Seigneur. Vous avez transformé la terre. Ne ratez pas un enfer. Jour. Tous les jours. Voilà pourquoi je vous dis. À 8h30, heure des Antilles. Et à 9h, à 13h30, heure de Paris. Le Bishop Eli partage avec vous la parole de Dieu. Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Esdras à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Parce que vous voyez là, pendant que je prêche là, Seigneur parle à ton serviteur. Mais vous voyez dans votre télévision. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. Dans les îles. L'ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe les difficultés que tu traverses. Sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Il aime ta femme. Pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir. Produisez le fruit digne de la repentance. Des Antilles ou à 13h30 heure merci, Seigneur.
Merci Seigneur. La métropole. La fidélité. Nous allons prier ensemble. Shikada babada babada bashindi babada 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 shindada kama yonduru kada. Dans la maison de mon père.